un an prochain. Allez, profite un peu de l'air frais, Mimi. Ça fait du bien. Je préfère Montréal. Tu sais très bien que papa a été transféré à Clairechaume pour entraîner des pilotes. C'est important qu'on aide à défendre l'Europe, tu sais? Oui, je sais. Penses-tu qu'un jour papa va me mener dans son avion? Peut-être un jour. Mais pour l'instant, toi et moi, on est coincés ici sur Terre. Je veux jouer avec toi. D'accord, on peut jouer. À cache-cache. Ok, cache-cache. Je te donne 30 secondes. 10 secondes. Mais ne monte pas dans les arbres. Bonjour. Est-ce qu'il fait toujours aussi froid au Canada? I don't speak French. Sorry. Oh. Ça serait plus facile de discuter avec l'enregistrement de la cabine. Lui, au moins, parle français. Oh! Zut! Oh, non! J'ai mon téléphone et tous mes contacts, tous mes mails sont à l'intérieur. Bon, bien sûr, mes informations sont dans le cloud informatique, mais vous comprenez ce que je veux dire. I'm sorry, I don't speak French. Bien sûr, vous ne me comprenez pas. Peut-être un peu? Juste un peu? Let me call someone. Merci. Bonjour, vous écoutez Science, Arts et Technologies sur Radio Canadienne Ouest. Après la découverte de l'objet interstellaire 3I des Roches, il y a beaucoup de spéculations de ses origines et la possibilité qu'il soit plus qu'un astéroïde ou comète. Pour nous en parler plus, on est joint par l'écrivain et professeur Hergé Montcalm de l'Université de Lethbridge. Bienvenue, professeur. Toujours un plaisir. L'objet 3I des Roches est un objet interstellaire qu'on a découvert et il passera près de nous. Oui, il passera à peu près 15 millions de kilomètres de la Terre. Wow, ça semble assez loin à mon avis. Pas très loin en termes astronomiques. Et ce n'est pas la seule chose qui a causé tout cet débordement d'enthousiasme sur l'Internet. En effet, 3I des Roches, on voit qu'il vient du système Loétène. Et l'étoile Loétène est proche et près de nous en termes astronomiques? Oui, il est à peu près 12 années-lumière de la Terre. Et ce n'est pas tout. Oh non? Non. La planète Loétène B est une des exoplanètes qui ressemble le plus à notre Terre. Wow! Donc, si on prend cet objet interstellaire qui vient d'un système dans lequel il y a une planète qui ressemble vraiment à la nôtre. Et l'objet a changé trajectoire. Dis-moi, professeur, ton roman « Le galaxie en photovoile », ça fait partie de cette discussion sur l'Internet. Pourquoi? Ben, dans mon livre « La galaxie en photovoile », la Terre reçoit des visiteurs de la système Loétène. Ah, donc c'est vraiment la vie qui imite l'art. J'aimerais bien. Les visiteurs envoient des copies robotiques
avec tous leurs mémoires et à la Terre. Alors, moi, je prévois que la prochaine étape, c'est d'envoyer des copies numériques au lieu que des êtres vivants. Bonjour, monsieur gendarme. J'ai cassé mon téléphone et je ne peux plus faire d'appel. C'est un peu embarrassant, mais je ne me souviens d'aucun numéro pour appeler. Et je ne connais personne ici. Je suis nouvelle au Canada. En fait, je suis une nouvelle arrivante. Another nouvelle arrivante. Thank you. That was a lot of help. If you remember anything else, please don't hesitate to call. Salut. Salut. Attends, tu parles le français? Oui. Ça veut dire que tu me comprends? Ben oui. Oh, c'est incroyable. Finalement, tu peux pas savoir l'horreur que j'ai subie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon téléphone est mort. Avec mes gros gants, là, c'était difficile de le tenir. Donc, vlam, il s'est cassé par terre. Ah, mes condoléances. Merci. Et puis, personne parle le français ici. Pays bilingue, mon œil. Et puis là, j'ai plus de contacts. Tous mes contacts étaient dans mon téléphone. En fait, ma vie au complet était dans mon téléphone. Donc là, je peux plus envoyer de messages textes. Je peux plus envoyer de courriel. Mais le pire, c'est que j'ai plus l'adresse de Jonah. Jonah? Oui, Jonah, mon ami. J'ai déménagé ici au Canada pour vivre avec lui, en fait. Ça devait pas être facile pour toi. Non. Et puis, je perds mes manières. Moi, c'est Marceline. Oh, enchantée. Et toi, tu es? Moi? Jules. Enchantée, Jules, mais c'est pas un peu bizarre comme nom pour une fille? Je m'appelle Alix, je travaille ici à la Cité des Paris. Je peux vous aider? Bonjour, moi c'est Marceline. Vous parlez français? Ça s'améliore. Moi c'est Jules. Dave m'a dit que tu avais cassé ton téléphone et que tu avais oublié le numéro de ton ami. Ah! Et il a su ça sans m'en parler? C'est bizarre. Bah, c'est un détective. Je pense que tu peux utiliser les ordi en haut dans la médiathèque et peut-être le téléphone sur le bureau. Super! Alix, par rapport à... Je pense que Dan va faire des recherches sur les personnes disparues et tu peux rester chez moi ce soir, j'ai une chambre de libre. Demain, je suis sûre qu'on trouvera plus d'infos. Merci.
Ça va? Oh oui, j'ai tous mes contacts et tous mes courriels. En plus, j'ai l'adresse de Jonah. C'est un téléphone, ça? C'était un téléphone. Dommage qu'il soit cassé. Je venais tout juste de l'acheter. Professeur Hergé Montcalm de l'Université de Lethbridge. C'est lui, l'écrivain. Hergé Montcalm. Tu le connais? Il m'a l'air très familier. Peut-être que c'est ton oncle. Il est peut-être riche. Comment tu sais? Ben, sa photo est sur le présentoir. Bon, j'ai fermé toutes les salles. Je vais prendre mon manteau et on peut s'en aller. Je dois absolument le retrouver. Il travaille à l'université, il vit ici. Tu peux m'y conduire? Là, je pense qu'il est un peu tard, mais demain, je peux. Et toi, tu aurais besoin d'un canapé pour ce soir? Non, merci, mais si tu peux me conduire chez mon ami, j'ai son adresse. Pas de problème. Merci pour tout. Et puis, bonne chance pour tout et j'espère que tu vas te souvenir de qui tu es. Non, j'ai seulement oublié de te donner mon numéro de portable. Ah, tu me l'as donné tout à l'heure, ça. C'est vrai, j'avais oublié. Ok. Ma valise, j'oublie ma valise. Elle est juste sur le perron. D'accord. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Ok, j'y vais. Elle est un peu nerveuse, hein? Ça, tu peux le dire, hein? Courage, Marceline. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ici. Surprise! Oh my God. Écoute, Marceline, je t'ai menti. Hein? Oui, ça me fait de la peine que t'as fait tout ce trajet, mais... 30 heures? Plus la petite avion entre Calgary et Lethbridge? Comment? Je suis mariée. Aujourd'hui? Non, ça fait deux ans et demi. Je sais qu'on a parlé, de se rencontrer et que t'allais me visiter au Canada, mais... J'étais pas sérieux. C'était de la fantaisie et Sophie, elle... Sophie? Oui, Sophie. On est bon maintenant, nos relations. Je m'excuse vraiment. J'ai rien à faire ici, moi. John! Beer! Peut-être on peut prendre un café, mais pas maintenant. John!
c'est bon de te voir, je dois y aller. Bon, voilà la chambre, fais comme chez toi. Et si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Tu te souviendras sans doute demain. J'espère. Merci encore pour la chambre. Ben, de rien, mes parents sont en conférence, alors il n'y aura pas de problème. Demain, est-ce qu'on pourra aller voir ce Hergé Montcalm? Mais oui, bien sûr. Si tu veux, il y a quelques options de vêtements dans le placard. Et aussi quelques livres là-bas, des classiques surtout. Et j'ai aussi celui-ci. Je l'ai trouvé à la bibliothèque, je pense qu'il te plaira beaucoup. Tu me dis si t'as besoin de n'importe quoi. Ok. Merci. Qu'est-ce que je fais ici, de toute façon? Il fait froid! Je connais personne! Puis toi, t'es certaine que t'as jamais utilisé de smartphone ni Internet? Non, jamais. Tu dois venir d'une autre planète. Et du coup, tout le monde utilise ces téléphones intelligents? Attends, t'as vraiment aucune idée? Mais comment en 2020, quelqu'un peut vivre sans savoir c'est quoi un smartphone? Tant me voici. Il y avait tout dedans. Mes mails, mes médias sociaux, mes photos, toute ma vie. Je sais que tu parles français, mais ce que tu dis, c'est du chinois. Attends, il fonctionne? Du coup, tu peux trouver des gens et des informations sur ça? Mais t'as jamais utilisé Internet? Il y a un navigateur dessus. C'est qui? Quelqu'un que je croyais connaître. Jonathan. Il était pas là? Oh oui, il était là. Il était pas seul. Il était avec sa femme. Ah! C'est quelque chose à savoir, ça. Absolument, ouais. T'as fait tout ce chemin. Je sais. Tu vas faire quoi du coup, maman? Je vais finir mon goûter. Thank you.
j'ai fait ça? T'as passé toute la soirée sur ton téléphone ou quoi? Je pouvais pas, il marchait plus. Ben, on dirait qu'il marche là, hein? C'est incroyable! Il est tellement rapide! On dirait que les applications ouvrent avant même que j'y pense. Je doute qu'Apple ait réussi la préconisation. Et toi, Jules, si tu veux, après le petit déjeuner, on peut aller à l'université. Ça serait vraiment super, merci. Ben, ensuite, on pourra aussi peut-être voir le shérif pour voir s'il a eu plus d'infos. Franchement, Alix, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. T'as pas besoin de m'accompagner, tu sais, t'as déjà assez de choses à gérer. Oui, mais si je t'aide, ça m'évite de faire mon boulot et je veux savoir qu'est-ce que t'as fait avec mon téléphone. Mais rien! T'es sûre que t'as rien fait? Parce que hier soir, mon téléphone était comme un presse-papier et dès que tu l'as touché, ça! C'est pas normal, ça? Non, pas du tout! Aucune idée, je peux pas t'aider avec ce mystère. Je voulais faire une recherche. Sur quoi? Mais sur moi, je sais pas qui je suis comme une étrangère dans un pays étrange. Je te l'ai emprunté hier soir. Ah ah, je le savais. Mm-hmm. Je dors d'un œil seulement, je vois tout. Marceline? Le sang, ce félin de la jungle, rien ne peut m'arriver. J'ai dépassé la porte, Marceline. Oh! Désolé, j'ai annulé mes heures de bureau. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le doyen. Mais pourquoi est-ce qu'une race d'extraterrestres aurait envoyé deux vaisseaux à plusieurs années d'intervalle? Il n'y avait qu'un vaisseau dans mon roman. Mais pourquoi en envoyer deux? C'est vrai qu'il y avait deux dans la version originale, mais comment pourrais-tu savoir? Attends, es-tu vraiment martienne? Vaut mieux d'envoyer deux, juste au cas où. Hein. Particulièrement s'il y avait la chance de trouver de la vie sur l'autre planète. Mais il ne savait pas si c'était le cas. Précisément. Tu enverrais un autre vaisseau spatial. Surtout si tu voulais la coloniser. Peut-être, mais alors pourquoi cette sens d'urgence? Attends, tu ne la connais pas? Mais je croyais que tu l'as rencontré parce que tu le reconnaissais. Oh, le doyen! Non, s'il vous plaît! Quand j'ai vu votre livre, quelque chose m'a dit que je devais vraiment vous retrouver. Je sais pas qui je suis. Quand j'ai vu votre livre, je savais que je devais vous retrouver. D'accord. Alors, je peux vérifier dans ma liste de classe. Ton nom? Jules. Jules. Ton nom de famille? Aucune idée. Okay. Dis, tu peux pas accélérer le processus? Oh, wow! Oh. Désolé, aucun résultat. Écoutez, je suis assez bon pour reconnaître les visages et je suis sûr et certain qu'on se connaît pas. Mais attendez, je donne mon discours cet après-midi. Il sera diffusé en direct. Je peux signer ton copie de mon livre et apporter tes amis. Bon, c'est quoi la prochaine étape? J'étais tellement sûre que je devais retrouver Hergé. Et maintenant? Je sais pas, tout est flou. Bon, après la pluie, vient le beau temps. Et peut-être qu'Alix a des nouvelles? Peut-être.
J'ai des nouvelles, mais c'est peut-être pas ce que vous attendez. Alors, j'ai parlé au shérif. Et malheureusement, il n'a trouvé aucun cas de personnes disparues qui te correspondent, quoi. Même dans les régions un peu plus éloignées? Comme Jules est francophone, Dan a fait des recherches au niveau national et même international, mais rien. Une autre impasse. Et Hergé ne la connaît pas. Ah. J'ai parlé à un de mes collègues qui travaille ici à la Cité. Il se considère comme historien amateur et s'intéresse particulièrement au premier francophone albertain. Mais c'est quoi le rapport? Il ne faut rien laisser au hasard. Quand je t'ai décrit, il a pensé à un vieux cas de personne disparue. C'est moi, ça? Mais ça fait combien de temps que j'ai disparu? Depuis 1940. Tu parais bien pour une femme de 100 ans. Je comprends pas. Dan t'a trouvé exactement au même endroit où elle a disparu. La ressemblance est frappante, mais ici, son nom est Julie. Julie. Je crois que je me souviens d'un chant. Je crois qu'il y avait quelqu'un. J'ai plus de colle. Mimi? Je m'appelle Chloé. Ne t'en fais pas, Chloé. Je pense que Madame Jules te prend pour quelqu'un qu'elle connaît. Il n'y a pas de Mimi ici, mais j'ai une nana Mimi. Je me souviens. J'étais avec ma petite sœur Mimi. Dans le champ, elle voulait jouer à cache-cache. Mais j'avais un roman à finir. De la terre à la lune. On jouait à cache-cache et... avant même que je puisse la retrouver, quelque chose est tombé du ciel. C'était métallique. C'était une boîte. Il y avait des lumières et... fissurée. Et quand je l'ai touchée, il y a eu un éclair et... plus rien. Après, je me suis réveillée 80 ans plus tard et... je me souvenais de rien. Faut que je retrouve le shérif. Ouais, il a retrouvé la boîte et... je l'ai vu dans sa voiture. Oh non! Ça veut dire que s'il le touche, il peut disparaître lui aussi? Non, je pense pas. Le vaisseau ne fonctionne plus. On y va. Attends, Julie! Tu as dit vaisseau? Oui. Vaisseau comme dans vaisseau spatial, comme dans le livre des Hergé? Oui. Et le vaisseau était d'origine? Oui. Et je suis Jules. Je ne sais pas ce que cette chose m'a faite, mais je ne suis plus Julie. Mais c'est un peu effrayant. Mais il va pas pousser des antennes toujours, hein? On doit retrouver le shérif. Où est-ce qu'on trouve la police? Ici. Wow! Ça dépasse la technologie Google. Google? Même Apple. Ça, c'est sûr que tu viens du futur parce que je comprends rien à ce que tu dis. Mais si tu viens de l'an 1940, comment es-tu capable de faire tout ça avec mon téléphone? Je voudrais bien le savoir. Allez, il faut que je retrouve le vaisseau. Le vaisseau est dans la voiture? Oui, je crois bien. Mais t'es folle, c'est une voiture de police! Ça fait 80 ans que je suis coincée dans cette petite boîte, alors j'espère bien qu'elle est à moi. Comment est-ce qu'on va faire pour l'ouvrir? Je crois que je vais lire la déclaration de confidentialité de ce téléphone. Ça, c'est pas légal, j'en suis certaine.
Dépêche-toi! Je dois trouver un endroit pour examiner le vaisseau à l'écart. Comme un laboratoire de pointe? T'en connais un, toi? Ça fait 2 jours que je suis au Canada, tu sais. Est-ce qu'il va crier comme ça à chaque fois qu'on a une question? Zut! L'université. C'est le téléphone qui t'a dit ça? Oui. Avec le bip? Tu parles aux appareils électroniques maintenant. Bon, allons-y. J'ai l'impression d'être dans une course contre la montre. Mais pour faire quoi? Mais j'en sais rien, moi. Je voudrais bien le savoir. Professeur! Il est là? Oui, je l'ai vu. Sortez, je vous ai vu, professeur! Vous avez rejoint le bureau de Hergé Montcalm. Malheureusement, il n'est pas disponible. S'il vous plaît, retournez plus tard. Comique, celui-là. Professeur, c'est une question de vie ou de mort. Ma vie? Peut-être. La mienne aussi? J'ai un vaisseau. Extraterrestre. Vous êtes pire que mes étudiants en deuxième année. Où est ce vaisseau extraterrestre? C'est une vieille salle de classe. J'ai gardé la clé. Mais c'est quoi tout ça? Oh, c'est du vieux stock qu'on envoie en recyclage. Juste au cas. Il est beaucoup plus petit que je pensais. Et comment tu l'ouvres? Un vaisseau spatial devrait être assez costaud pour voyager. Ben, peut-être qu'il faut lui dire de démarrer. Allez. Sésame, ouvre-toi! Ben quoi? Je doute que les extraterrestres comprennent nos références. C'était qu'une supposition, d'accord? Tu vois? Mon idée? Essaie avec Sésame, ouvre-toi. Il fonctionne! Ouais, mais il n'a pas l'air de marcher très bien, hein. Il est en train de mourir. C'est une machine, Jules. Il ne peut pas mourir. Ben, une intelligence artificielle assez avancée, ça peut compter pour la vie. Donc, attends, Jules. Les extraterrestres qui t'ont kidnappé, est-ce qu'ils étaient en fait des robots? Non, non, c'est un vaisseau secondaire, un assistant, comme ton téléphone. OK, donc il faut réparer un smartphone d'origine extraterrestre? Je sais pas comment faire. C'est comme si j'avais la mémoire de quelqu'un d'autre. Mes souvenirs sont flous. Ben moi, je casse mon téléphone régulièrement. Ça m'étonne, ça. T'as fini? Bon. Quand il casse, mon frère utilise des pièces d'autres téléphones cassés pour le réparer. Donne-moi ton téléphone. Mon téléphone n'est pas cassé présentement. Non, non. Donne-moi ton téléphone. Allez. Fonctionne! Hé, attends! Tu te souviens la dernière fois, tu as... Je dois absolument savoir. Marceline, merci. Jules? Julie? Je te l'ai déjà dit. Je ne suis plus Julie. Jules, non mais attends! Jules! Jules! Le premier vaisseau spatial, c'était juste un modèle... Celui qui t'a pris? Oui, c'était juste un modèle de reconnaissance. Mais pourquoi? Pour trouver une preuve de vie sur notre planète? Il savait déjà qu'il y avait de la vie sur Terre. Je suis trop vieux pour ça. Ah, visiblement.
Mais sinon, qu'est-ce que c'était exactement, une expédition scientifique pour nous observer? Non, ils veulent trouver une planète à coloniser. Qui? Les êtres qui ont fabriqué cet objet. Loïten. Loïten? Mais c'est quoi ça? William Jacob Loïten est l'astronome qui a déterminé le mouvement de cette étoile. Ok, donc tu es luthien ou luthienne? Ma mission officielle était de venir sur Terre, tester les capacités des êtres humains et renvoyer mon rapport. D'accord, de quelle capacité est-ce que tu parles au juste? Défensive. Oh. Mon peuple cherche une planète similaire à la nôtre. La planète Loïten B. Exactement. Ok, attendez. Jules, tu es une femme qui a vécu ici sur Terre. T'es pas une martienne. Loïtienne. Loïtienne, luthienne, t'es humaine. C'est dans mon livre. Moi, je l'ai pas lu ton livre. Dans mon roman, les astronautes sont numérisés. Une copie, ils sont numérisés et quand ils arrivent à leur destination, ils sont reconstitués avec des matériaux organiques locaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin d'un émetteur extrêmement puissant. À Lethbridge. Bonne chance avec ça. Attendez, attendez. Mon discours. Il passe à la télé. Allons-y. Tu as besoin d'un émetteur pour connecter un vaisseau spatial? Quand je suis arrivée en 1940, mon vaisseau s'est endommagé. Et ton peuple n'a pas eu de nouvelles? Non, mais ils ont envoyé un deuxième vaisseau. Il a atterri hier. Hier? Comment tu le sais? Quand il a atterri, mon vaisseau s'est activé. T'as l'air très humaine pour un extraterrestre. Je suis une fusion de Julie et d'une scientifique de ma planète Loïten B. Un peu comme un hybride? Oui, mais je ne crois pas que mon vaisseau était censé s'intégrer avec un être humain. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que quelqu'un a reprogrammé mon vaisseau. Alors, il nous faut trouver un fourgon de fonction? Oui, il faut que j'envoie un message au vaisseau spatial avant qu'il ne quitte le système solaire. Quel message enverras-tu? Que la Terre n'existe plus. Oh non. Quoi? Des armures mécaniques. Mon peuple utilise des armures mécaniques pour visiter les planètes qui ont le potentiel d'être hostiles. Et comme tu n'as jamais téléphoné chez toi? Ils doivent croire que la planète Terre est hostile. Et on ne veut pas que cette armée nous trouve? Non, elle va m'empêcher d'envoyer mon signal au vaisseau. Ok, alors on doit éviter une grosse armure mécanique, c'est facile. D'accord. L'équipe de tournage est dans l'autre stationnement. Tu trouveras le fourgon là. Moi, je dois faire mon discours. Sinon, il y aurait à émettre. Bonne chance, les deux. Vous aussi. Merci. J'ai besoin d'une distraction. Facile. Excusez-moi, messieurs, vous parlez le français? Excuse-moi? C'est que je suis avec Hergé et durant la session de maquillage, bon, les choses bougent beaucoup et puis le micro est tombé par terre, donc on aurait besoin d'un autre micro. Vous en avez un pour nous? Vous savez, le microphone, ce qui amplifie les ondes sonores. Vous n'avez pas d'autre micro, vous êtes sûr? Merci, messieurs, vous êtes trop gentils. Merci. Merci. Et maintenant? Je dois commencer la transmission. Hey, welcome to SciCon. Hi. Have you seen this person? Yeah, she just went that way. Thanks. Have a good one. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est l'armure. Regarde. Il sait qui je suis. Il faut quand même que je fasse la transmission au plus vite. Jules! Un très gros problème. Bah écoutez, qui te donne le droit d'aller m'interrompre dans mon discours? Qui tu es, un bon robot de ouf? Hergé!
comme moi maintenant. Donne-moi un instant. Oh! Oh, ça va mieux! Et alors? Tout est bien qui finit bien. Et toi, tu retournes sur ta planète? Comment? Non, le vaisseau est déjà parti avec toutes les données. Et puis de toute façon, c'est entièrement automatisé. Il n'y a pas vraiment d'espace pour un être vivant. Donc tu feras quoi? Je sais pas. Il y a plein d'autres espèces extraterrestres, tu sais. Elles ne sont pas toutes amicales. Donc vous n'êtes pas seule? Non, pas du tout. Jules, défenseur de la Terre. Il y a beaucoup à découvrir. On y va? Tu veux que je t'accompagne? T'as mieux à faire? Non. Allons-y. C'est pas possible! Je t'ai enfin trouvé. Ça m'a pris un peu de temps, mais... changé du tout. J'ai eu ma propre aventure. Toi aussi, on dirait. J'ai toujours ton livre, De la Terre à la Lune. Ah, garde-le. Les voyages dans l'espace. Je ne voulais pas ouvrir à l'intérieur plus tôt. En fait, je crois que je m'habitue au froid. Tranquillement. Mais il y a une chose qui m'énerve. Qu'est-ce que c'est? Ici, la bridge. Pourquoi ton vaisseau t'a porté ici et non pas New York? Bonne question. Je pense que quelque chose a dû le dérouter. À quoi? Merci, Dan.